بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on ne peut admettre la thèse de l'imposture que nous avons développée lors des séances précédentes et que soutiennent beaucoup d'orientalistes. D'ailleurs, après avoir étudié la vie du prophète alayhi salatu wassalam, Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, a dit: j'ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon avis, est loin d'être un antéchrist et qui devrait être appelé le sauveur de l'humanité. Il en a été de même pour Napoléon Bonaparte, qui dans ses mémoires de Sainte-Hélène ira jusqu'à faire un commentaire sur la biographie qui a été écrite par Voltaire concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: Voltaire avait ici manqué à l'histoire et au cœur humain. Il prostituait le grand caractère de Mahomet par les intrigues les plus basses. Il faisait agir un grand homme qui avait changé la face du monde comme le plus vil scélérat, digne au plus du gibet. Il ne travestissait pas moins convenablement le grand caractère d'Omar, dont il ne faisait qu'un coupe-jarret de mélodrame. Donc, conscient de la fascination qu'exerçait le prophète alayhi salatu wassalam sur les esprits libres, et toujours dans l'intention de démontrer qu'il n'était qu'un imposteur, certains orientalistes vont adopter une autre stratégie. Plutôt que de le traiter directement d'imposteur, faisons-le passer pour un simple imitateur. Et là, une autre thèse va prendre naissance. Mohammed s'est inspiré du judaïsme et du christianisme pour façonner l'islam. L'islam n'est donc qu'une imitation. Il s'agit là d'une thèse qui a été largement répandue, entre autres par Ignaz Goldziher et Karl Brockelmann. Avant de poursuivre, il convient d'expliquer ce qu'est l'islam selon un musulman. Pour un musulman, l'islam est une restauration du monothéisme pur d'Abraham, paix sur lui. D'ailleurs, l'appellation même de musulman, qui signifie soumis à Dieu, nous vient, selon le Coran, d'Ibrahim alayhi salam. Dieu dit dans le verset 78 de Sourate al-Hajj: c'est lui, Dieu, qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne en religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Et à l'inverse des juifs, qui ont donné à la religion de Moïse alayhi salam le nom de judaïsme en référence à la Judée, ou aux chrétiens qui se sont fait appeler ainsi en référence au Christ alayhi salam, les musulmans ne sont pas des mahométans et l'islam n'est pas le mahométisme comme il plaît à certains orientalistes de le dire. Mohammed alayhi salatu wassalam ne s'est rien attribué. Il a clôturé la prophétie par la transmission de la religion de Dieu, une religion qui s'appelle l'islam, qui signifie soumission à Dieu, ce qui place cette religion au-dessus de toute considération ethnique ou géographique, ce qui nous donne déjà cette notion d'universalité que nous ne trouvons ni dans le judaïsme ni dans le christianisme. Maintenant, quand des orientalistes prétendent que le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait que reprendre de vieilles traditions juives et chrétiennes pour en faire l'islam, sur quoi s'appuie-t-il? C'est ce que nous verrons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.